Hello everyone, hope you do well tonight. Please tell me in the comments, can you hear me, can you see me? Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'au niveau du son, au niveau de l'image, tout est bon? Est-ce que tout est clair? Hi Ilyas, hi Aziz, hi Horia, hi Jamal, Pierre, Zaki. Hello. Aziz me dit yes, on te voit, on t'entend. Mustapha, long time no see. Hi. Guitare, Sam. J'ai oublié le prénom, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui m'aiment différents, mais j'ai oublié le prénom. Je sais qui c'est, mais j'ai oublié le prénom. Habib, Zahra. Hey, Zahra, long time. Mustapha, great to see you guys tonight. Great, great, great. Hello. Hi, Louise. Long time. Là, je vois des noms. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Hi, Summer. Ilyas. Alaykoum salam. I'm doing good, Mustapha. And you? How's it going? You're right. Great, great, great. Perfect. Happy to see you tonight, guys, here. So we had this couple of weeks we've been going through inspiring stories, funny stories, moral stories, all right? So we're trying to learn English through stories, all right? One of the best techniques to learn vocabulary and to learn a lot of new words, all right? Great, great, perfect. So what I'm going to do is basically is I'm going to read again a story and give you a general feedback, all right? Donc, je vais lire l'histoire que vous avez demandé cette semaine de tout simplement de refaire avec moi et certains passages qui étaient difficiles pour vous et même pour moi parce que il y a une élève, je crois que c'est oublié son prénom, qui m'a envoyé. C'est Nassima, je pense. Oui, c'est Nassima. C'est elle qui m'a corrigé parce que qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez pu remarquer, dans cet exercice, on avait le H aspiré, vous voyez, le H aspiré. Et nous, généralement, les francophones ne le prononcent pas. Et moi, j'ai voulu vraiment être à cheval sur ce H-là et bien le prononcer. Et sans me rendre compte, j'ai mis ce H aspiré un peu de partout. Vous voyez, parce qu'on avait le mot here, hair, hot. Donc, j'ai vraiment voulu insister sur le H. Et sans faire exprès, j'ai glissé un H à instead of, au lieu de dire instead of eating, j'ai dit instead of hating. Donc, la différence entre eating, le fait de manger, et hating, le fait de se réchauffer. Vous voyez? Donc, juste à cause d'une lettre, voilà, j'ai changé le sens du mot, quoi. Eat, qui veut dire manger, et to hate, qui veut dire réchauffer. Donc, voilà. OK? Parfait. Donc, je vais revenir et certains d'entre vous, vous avez fait une erreur à cause de moi, parce que dans le, au lieu de dire incredibly, j'ai oublié le i. Incroyablement, j'ai dit incroyable, alors que c'était incredibly. Donc pour ça, c'est pour ça cette erreur-là. La plupart de vous, je ne vous en veux pas, parce que c'est venu de moi. Parfait. Donc voilà, même nous en tant que professeurs, c'est pas évident pour nous. Donc voilà, toujours à apprendre, à enseigner, à rectifier, corriger. C'est la meilleure manière dont on apprend, d'accord? Donc, un élève, il apprend de son professeur et le professeur, pareil, il apprend de son élève. Donc, voilà, l'apprentissage, c'est vraiment un échange de savoir, un échange d'informations et c'est comme ça que, voilà, on avance dans les deux sens. Parfait? Donc, Aziz qui dit « je le savais ». Parfait. Donc, l'expression pour dire c'était un jour incroyable, d'accord? Donc ici, moi, ce que je voulais que vous exerciez, c'était vraiment la petite technique de la prononciation, d'accord? Donc on avait ce mot-là, je le mets dans le commentaire, et ce que je voulais travailler avec vous, c'était vraiment ça, là. C'était ce, vous voyez, nous les francophones, on aura tendance à dire, à couper « it was an incredibly ». Et moi, ce que je voulais que vous travailliez, c'était le « it was an incredibly ». C'est vraiment ne pas avoir peur de passer du un, d'accord? Passer du un au incredibly.
essayez de faire la liaison, d'accord? Je sais que parfois on a peur, mais il faut la faire la liaison. It was an incredibly, incredibly. Et vous remarquez le un et le un et le in de incredibly, ça se ressemble, oui? C'est comme si on répétait deux fois le même mot. Et c'est pour ça que ça fait pas très anglophone parce qu'on fait it was an incredibly. Et en réalité, ça sonne pas anglophone et parfois c'est dérangeant. Et c'est pour ça qu'il y a ces liaisons là, d'accord? Comme en français, on a des liaisons, ben pareil, en anglais, on a des liaisons. Donc ça fait it was an incredible. It was an incredibly. It was an incredibly. Was an incredibly. Was an incredibly. Donc, essayez de pratiquer tout ça. Parfait? It was an incredibly day. Parfait? It was an incredibly. Et incredibly, incroyablement, l'accent tonique ici, comme je vous avais mentionné, il est sur le cred. Cred. D'accord? Et ne dites pas incredibly. Ne prononcez pas le i du d après le i qui est après le d, faut pas le prononcer. Incredibly, 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 d'accord? Incredibly. Et ne dites pas incredibly. Non, ne prononcez pas ce i. C'est là que on tombe dans l'erreur de la prononciation francophone. Incredibly, incredibly. Pareil, parfait. Hot day, parfait. And the lion was feeling. Ici. J'ai pu remarquer beaucoup d'entre vous avez fait cette erreur-là, d'accord? Beaucoup d'entre vous, vous avez fait cette erreur-là. Au verbe « feeling ». Et moi, j'insiste souvent, je vous dis, lorsqu'en anglais, on a le double « e », nous n'hésitez pas à l'allonger, d'accord? Ça va vous donner déjà de la prestance dans la manière dont vous parlez l'anglais. « Feeling », « feeling ». Et même, vous voyez, ce verbe, c'est un verbe de sentiment. Donc, c'est un verbe, ce qu'on appelle… un verbe lié aux sentiments, aux émotions. Et les anglophones, lorsqu'ils parlent de leurs émotions, vous les voyez, ils sont à fond, quoi. Et là, ce verbe-là, franchement, il ne fallait pas le rater, de dire, voilà, on est en train de raconter une histoire et on est en train de dire, ce lion, il a tellement faim, all right? And the lion was feeling, right? Feeling, wow, il avait vraiment, il sentait vraiment une grande faim en lui, d'accord? Donc là, il ne fallait pas hésiter à allonger le feeling, parfait. And the lion was feeling very hungry, parfait. Donc, feeling, n'hésitez pas. Pourquoi vous allez voir plus tard qu'on a le même verbe, mais il n'y a pas de double E. Et là, on verra la différence entre remplir et sentir. Et ça, c'est important en anglais lorsque vous utilisez ces verbes-là pour parler de vos émotions, d'accord? To feel, alors que le fait de remplir, to feel. Fill it up. Remplis le verre. Fill it up. Remplis. Et sentir, to feel. Parfait. Donc, ça, beaucoup d'entre vous vous êtes trompés. Donc, n'hésitez pas à bien travailler ça. Feeling. Ensuite, le fait de dire hungry. Hungry, ici, on avait le H aspiré. Hungry. C'est-à-dire avoir faim. L'accent tonique sur la première syllabe. Parfait. Donc, ce qui s'est donné. And the line was... Feeling very hungry. Parfait. Et parfois, une erreur que je retrouve souvent chez les francophones, énervé, c'est angry. Angry, hungry. Angry, regardez, je descends. Angry, hungry. Hungry, je monte. Donc, souvent, je sais qu'on a du mal à dire, parce que parfois, on dit qu'on est énervé et on leur dit qu'on a faim. Ou sinon, on veut leur dire qu'on a faim, on leur dit qu'on est énervé. Donc, pour eux, parfois, c'est problématique pour les anglophones. Et moi, je me rappelle, dans mes débuts, chaque fois que je voulais dire que j'avais faim ou que j'étais énervé, ben, je réfléchissais à deux fois. Parce que je sais que, voilà, c'est pas évident. Hungry, angry. Hungry, angry. Hungry, j'ai faim. Angry, je suis énervé. Parfait. Nickel. Ensuite, he came out of his den. Den, on avait dit... C'était quoi la signification de den? Dites-moi dans les commentaires. What is a den? A den. He came out of his den. He came out of his den. Très bien soumis à la tanière. Very good. Very good. La tanière. Okay. Right. Parfait. Ici, faites attention à here and there.
Beaucoup d'entre vous, vous êtes trompés à l'expression here, d'accord? Parce qu'on avait l'expression hair. C'est pour ça que je vous dis, cette histoire-là, avec les H aspirés, ce n'était pas évident. Entre le here, qui veut dire ici, hair, qui veut dire le lièvre, and the hair, qui veut dire cheveux, là, ce n'était pas évident. Donc, certains d'entre vous, ils ont hear, her, hair. J'ai vraiment entendu un peu de tous les sons. Her, here, hair, and there. OK? Et faites attention. And there, pas there. Hein? Certains d'entre vous, le TH, vous le prononcez encore the. Non. There. Parfait. He could find only a small hair. He called the hair with some hesitation. OK. Parfait. Ici, il y avait un mot que je tenais à bien identifier avec vous. D'accord? C'est ce mot-là. Hésitation. Donc, hésitation, c'est en prononciation française. Prononciation américaine, d'accord? On ne va pas dire « hési », non, « hez ». Et si vous vous souvenez du « schwa sound », le « schwa sound », qu'est-ce qu'on avait dit? C'est un son, d'accord, qui est une sorte de « e », qui n'est ni une voyelle, ni une consonante, c'est un son « schwa », schwa, wa, wa, e », d'accord. Et c'est ce qui se passe en anglais américain, on ne dit pas « hesitation »,« hesitation ». Et la plupart d'entre vous, vous l'avez prononcé avec l'accent « British. Donc, c'est pas faux. Mais moi, je voulais que vous le prononciez avec l'accent américain. Hesitation. Hesitation. D'accord? Hesitation. Et on a le T-U-N, l'accent tonique, il est juste avant. D'accord? Hesitation. Hesitation, c'est British. Moi, je voulais l'américain. Hesitation. With some hesitation. Hesitation. Parfait. Et cet exercice, il est parfait. Pourquoi il vous aide à comprendre qu'il y a certaines voyelles en anglais, elles disparaissent. Comme le I là, de Z devient Z, hesitation. Parfait? Hesitation. This hair can't fill. Voilà. C'est à cette phrase-là. Oui, parfait, Raja. C'est comme l'accent british. Mais moi, je voulais l'accent américain. Voilà, l'erreur que vous avez fait, c'était ici, voyez, fill. Donc, lorsque vous n'arrivez pas à dompter ce son i en langue anglaise, ben en réalité, ça va dans tous les sens. Vous savez plus ce que vous faites. Est-ce que c'est feel, on ne sait plus et on ne sait pas ce que vous voulez dire. Est-ce que vous parlez de sentiment, se sentir, to feel, ou bien le fait de remplir, to feel. Et c'est là l'importance du long i et du i court en anglais. D'accord? Il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas vraiment la conséquence, on va dire, les conséquences que ça a sur votre prononciation et sur votre compréhension. Mais voilà, un anglophone, pour lui, c'est important. To feel and to fill. Fill. All right? Remplir la voiture d'essence. Fill it up with gas. Fill it up with gas. All right? Fill it up. Fill up the tank. Fill. Et je ressens, I feel. Et vous voyez, le I, il faut bien l'appuyer, bien lui donner de... N'hésitez pas, feel. Parce que ça, nous, on ne l'a pas en français, d'accord? Donc, il ne faut pas hésiter. Feel my stomach. Ici, le mot stomach, qui veut dire estomac. Ouais, l'estomac, quoi. Vous avez eu du mal. Pourtant, je vous l'avais donné dans les mots à répéter de manière individuelle. Stomach. L'accent tonique ici, il est sur la première syllabe. Et ce n'est pas un O, d'accord? Très bien. Je crois que c'est... très bien, guitare Sam. Je crois que c'est Sama. Non, Asma. Je crois que c'est Asma. Très bien. Ici, on a le dark L and the light L. Very good. To feel, on a le light L. To feel. Samah, voilà. Samah avec sa petite fille de 9 ans qui pratique avec nous l'anglais sur Anglais Révolution. Well done. Parfait. Très bien. On a le dark L and the light L. Feel, fill. Bravo. Hi, Layla. Parfait. Donc, ici, le mot est estomac, d'accord? Certains d'entre vous avez fait stomach. Stomach. Vous avez mis l'accent tonique sur la deuxième syllabe. Non, c'est stomach. Stomach. His stomach.
stomach, stomach, stomach. Parfait. Donc n'hésitez pas à répéter après moi. Stomach, stomach. Nickel. For the lion, as the lion, to kill, to kill. Pareil ici. Pour vous dire le i, comment c'est important. C'est pas about to kill, non, about to kill, to kill, about to kill, about to kill. Et pas to, non, on n'appuie pas sur le to, about to kill. Hello Yunus, about to kill, kill, d'accord, et pas kill. Donc vous voyez l'importance de feel, feel, kill. Parfait. Ce mot-là, pourtant, je l'avais travaillé avec vous et j'avais insisté pareil. C'est une erreur que j'ai souvent retrouvée dans les audios. Greedy. Greedy. Pour dire qu'il était gourmand, ce lion-là, il était gourmand. Greedy. Le long, le i, il est vraiment long. Certains d'entre vous avez dit greedy, 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 greedy. Non. Greedy, greedy. Le i, il est vraiment long ici, d'accord? Faites attention. Pour dire gourmand, greedy. Ensuite, il y avait une expression. Pareil. À la place de, pas instead, non. Instead, instead. L'accent tonique, il est sur le S-T-E-A-D et c'est un son E ici. Instead. Instead. Parfait. Très bien, Laila. Greedy like green. Greedy, green. Très bon exemple, Laila. Parfait. Great. Donc, instead of. Let me hit again. He let me go behind. Parfait. Ce mot-là aussi, je vous l'avais mis. Vous avez dit, faites attention, ne faites pas une erreur. Parce que nous, voilà, à l'école, on a appris behind, behind. Non, c'est behind, behind. Pour dire derrière, behind, behind. Et non pas behind, behind. D'accord? Celui-là, je vous l'avais mis pourtant. Hein. Et lorsque vous allez prononcer ce mot-là d'une manière correcte, vous allez sentir que vous êtes vraiment proche de l'anglais américain, quoi. C'est fini les behind, les become, les because. Non. Behind. Je vous avais donné une astuce. La plupart des prépositions ou des adverbes qui commencent par un BE, le BE devient be, pas be. D'accord? Behind. Behind. Donc n'hésitez pas à répéter après moi. Behind. Behind. Parfait. Parfait. Ce mot-là, dites-moi, est-ce que vous le connaissez? On va surtout demander aux dames, aux femmes, est-ce que vous connaissez ce mot? Est-ce que c'est une marque connue dont vous avez l'habitude d'acheter? Vanished. Est-ce que vous la connaissez, cette marque? Peut-être les hommes aussi la connaissent, je ne sais pas. Généralement, c'est plus une marque que les femmes vont acheter. Aziz. Aziz, il a souvent. Aziz, t'as l'habitude de faire la lessive alors. Exactement. Marie qui dit yes, voilà. C'est... Nous, on dit achète du vanish. Achète du vanish. Parfait. Pour le linge, voilà. Détergent lessive. Parfait, il a. Donc, oui. Donc, vanished. Vanished. D'accord. Tout simplement, peut-être que vous avez l'habitude d'acheter cette marque-là. Vous n'êtes jamais posé cette question. Ça veut dire quoi en vérité? D'où vient ce mot-là? Tout simplement, ça veut dire faire disparaître. Donc, cette marque-là, elle veut dire tout simplement faire disparaître les taches. D'accord? Donc, la prochaine fois que vous allez au magasin, vous penserez à l'histoire du lion qui a disparu dans la brousse. Vanished. D'accord? Vanished. Et ce mot-là, l'accent tonique, il est sur le VA et pas vanished ou shed. Sht. Vanished. Vanished. D'accord? Vanished. Le CH, il rentre dans le D. Il n'y a pas de ED ou ED. Vanished. Vanished, d'accord?
Et le D ici devient T. D'accord? Vanished. Comme washed. Vanished. Parfait? Donc, dites pas vanished ou vanished. Non. Vanished. Parfait? Nickel. Très bonne technique. Hein? Ben, personnellement, l'une des meilleures techniques pour se rappeler pour se rappeler rapidement du vocabulaire, c'est de lier comme ça. Si je vous dis, lorsque vous donnez du sens à votre apprentissage, lorsque vous le rendez plus vivant, ben, vous allez apprendre plein de mots comme ça. D'accord? Parce que c'est du vivant. Alors qu'apprendre des mots d'une manière juste, théorique, la théorie, le cerveau, il aime pas. Et généralement, on a tendance à oublier rapidement. Mais lorsque c'est réel, lorsque c'est vraiment de real English, l'anglais pratiqué, vous allez vous sentir dans le magasin. En vérité, vous n'apprenez pas que le mot en lui-même. Vous apprenez tout l'environnement, les couleurs. Vous utilisez la visualisation. Et c'est cette manière-là que le cerveau, il retient le plus longtemps possible un mot, une expression. Parfait. Ensuite, the lion now felt sorry for letting the hare off. Parfait. Moral of the story. Parfait. Nickel. Donc voilà. Ça, c'était pour vraiment vous donner un briefing sur le texte. Ensuite, il y a un mot que vous avez tous utilisé. Pas tous, pardon, mais un mot qui est souvent ressorti lorsque je vous ai demandé de parler de votre morale personnelle, on va dire. Vous avez utilisé ce mot-là. D'accord? Ce mot-là, Farida qui nous dit, s'il vous plaît, behind, le E ne se prononce pas. Non, Farida, il ne se prononce pas. Behind, behind. D'accord? Behind. Ça, c'est vraiment l'accent américain. L'accent anglais, je douterais, mais je sais que l'accent américain, c'est behind. Behind me, d'accord? Et Farida, vous mettez l'accent tonique sur le hind, parfait? Nickel. Donc, je vous dis, il y a un mot que vous avez tous utilisé, pas tous, mais il est ressorti souvent ce mot-là, et vous voulez parler du contentement, de la satisfaction en anglais, et comment est-ce que vous allez prononcer ce mot-là? Parce que, vu que c'était un mot qui n'était pas dans le texte, donc certains d'entre vous, lorsque vous l'avez prononcé, j'ai eu du mal à le comprendre, et donc j'ai dû vérifier. C'est pour ça que je vous dis, lorsque vous avez un nouveau mot, il faut vérifier en premier temps sa prononciation. Ça, c'est vraiment important, d'accord? Donc ici, pour parler de satisfaction en anglais, c'est contentment, d'accord? Le C-O-N devient ken, ken. Souvenez-vous, je vous ai donné cette règle-là. Chaque fois que vous avez un C-O-N en anglais, il faut le raccourcir. Il n'y a pas de con ou de con, ken, ken. Et l'accent tonique, on a trois syllabes ici, contentment. L'accent tonique, il va être sur le T-E-N, contentment, pour dire la satisfaction, contentment. Et pareil, une autre règle en or, le M-E-N-T en anglais, c'est pas ment ou ment, c'est mint, mint. Vous passez vraiment du M au T. Contentment, mint, mint. Parfait? Contentment. 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 Parfait? Contentment. Et je le fais doucement. Contentment. Contentment. Contentment, all right? It was my contentment, all right? My contentment is life is just to do what I love. My contentment, parfait? Nickel? Great. Bon, maintenant, je vais passer rapidement au... Nickel. Donc, maintenant, je vais vous donner un peu les erreurs que j'avais faites de manière plus ou moins personnelle, d'accord? Donc, lorsque vous êtes tous corrigés, écoutez tous vos audios. Personnellement, sur cet audio-là, j'ai pu remarquer que la plupart d'entre vous, vous êtes vraiment améliorés et que vous êtes vraiment passé à ce cap où vous essayez vraiment d'imiter l'accent américain, ce qui est très, très bien. Certains d'entre vous, quand je compare par rapport aux premiers audios, aux premières présentations, il y a une réelle progression et ça fait vraiment plaisir. Donc, continuez ainsi. Hein. Et c'est vraiment en imitant que vous allez vous débarrasser de votre accent francophone et vous rapprocher de l'accent américain. Anglophone. Parfait. Donc, on commence par bother. Bother, bother, j'avais corrigé. BM4 qui dit pourquoi on ne prononce pas instead comme speak. Ah, c'est bother. Ah, BM4, c'est bother. Parce que speak, c'est un verbe ici, d'accord? Speak, c'est un verbe.
Parfait. Parfait, Badr. Donc, Badr, tu as eu des problèmes avec le mot hungry, d'accord? Tu as mal prononcé ce mot-là, donc fais attention. Hungry. Je crois que tu avais dit hungry, d'accord? Fais attention, Badr. À la fin de l'audio, c'était bien, tu faisais plus cette erreur de TH-Z, mais au début, je crois que ça a glissé. Tu as dit there, here and there. Donc, ton TH, je te l'avais déjà dit la semaine dernière. C'est bien, j'ai vu que tu as réussi à diminuer, mais attention, à zer, tu as encore prononcé le z. Parfait. Et hesitation, Badr, tu as prononcé avec l'accent british, alors je voulais que tu le présentes avec l'accent américain. Hesitation, parfait. Fais attention, to kill, non, to kill, kill, Badr, parfait. Ensuite, into the forest, pas into, into the forest. Parfait, Badr. Et tu nous as donné une bonne morale, ta morale personnelle. Never get high bigger than stomach, than your stomach. Parfait. Donc, très, très bien, Badr. Maintenant, nous passons à Farida. Farida, pareil, hungry, fais attention. Voilà, c'était pas très clair. Hungry, hungry. Donc, le H aspiré. Here, je crois que tu avais dit her. Donc, fais attention, hein. Her and here. Stomach. Farida, tu as mis l'accent tonique sur la deuxième partie. D'accord? C'est stomach, pas stomach. Stomach. Et greedy, Farida, tu as dit greedy. Non, greedy. Farida, faut bien allonger le i. Pas greedy, greedy. Parfait. Et fais attention au here, here, her. Donc, à un moment, tu as mixé un peu donc, entre le her, le here et le here. Parfait. Nickel. Ensuite, Nassima, qui était très bien aussi, très très nette progression. Greedy, attention Nassima, bien allongé le greedy, pas greedy, greedy. Le hungry aussi, attention, et le stomach, un peu la même erreur que Farida. Donc, bien l'accent tonique sur le STO, stomach, stomach, parfait. Et merci Nassima pour la petite rectification, incredibly, j'avais oublié le Y à la fin. Donc, c'est Nassima qui m'a corrigé cette fois-ci. Habib, s'il est avec nous, attention au R, Habib. Donc, j'ai vu par rapport à la semaine dernière, tu as réduit. C'est bien, continue. Réduis ton R, essaie de le moins le rouler, le garder. D'accord? There, here, pas there, here. Parfait. Faire attention. Et le mot hesitation, prononce-le avec l'accent américain. Well done, Habib. Bravo. Soumia. Soumia, attention. Feeling. Donc, c'est là. Soumia, là, faut bien allonger le I. Hein. Feeling. Et tu as dit could. Ça, on a dit attention, le L, il ne se prononce pas. Could. Could. Parfait. Could. Ensuite, Soumya, tu avais du mal. Instead of eating. Parfait. Et Soumya qui nous a parlé de satisfaction. Contentment. It's a real treasure. Donc, très, très bien pour ta morale personnelle. Nickel. Samar, ce qui était très bien aussi. Nette progression, Samar, c'est très très bien ce que tu fais. Attention, here, here. Le H, il est aspiré. Hein. Et Samar, fais attention entre fill and feel. Feel, c'est un sentiment. Fill, c'est le fait de remplir. Parfait. Et le mot vanished, pas vanished, vanished. Parfait pour Samar. Nickel. Ilyes, fais attention à stomach. Ilyes, parfait. Et non pas stomach. Pareil, tu t'es trompé au mot greedy. Allongez bien le i, d'accord? Et Ilyes, il nous a donné une bonne petite morale. Don't take unnecessary risks. Parfait. Nickel. Parfait. Bertil, si vous êtes avec nous. Franchement, Bertil, j'étais impressionné par rapport à votre propre présentation que vous avez fait la semaine dernière et dès maintenant, une réelle progression. Donc, Bertil, j'ai vu qu'elle a bien appliqué tout ce que je lui ai dit très très rapidement. Donc, c'est une personne qui apprend très vite, très très bien, Bertil. Fais attention à quelques petites erreurs. Feeling, donc allonge bien le i. Stomach, pareil. Et le deer, d'accord? Pour parler de cet animal-là, les deer, d'accord? La Bambi. Deer, pas deer, deer, deer. Parfait. Et tu as rajouté ta propre morale qui était bien be content what you have. D'accord? You know its value when you lose it. Donc, très, très bien. Aziz, qui est avec nous ce soir, hungry, attention, tu t'es trompé à ce moment-là. D'accord? Fais la même erreur. Feel, n'oublie pas de allonger les i lorsque tu as double E,
Allonge bien le i, Aziz. Parfait. Et bush. Les amis, bush. Parfait. You're welcome. Bush, vous avez dit attention, vous voyez, pour parler à un buisson, pas bush, c'est bush. Bush. Bush, pardon. Bush. Le ou, il est court. In the bush. Into the bush. Bush, pas bush. D'accord? Donc, fais attention, Aziz. On a le ou court, pareil, hein? On a le ou court et le ou long. Par exemple, good, c'est un ou court, parfait. The boot, pour parler des bottes, c'est un long ou boot. Parfait, Aziz. Ensuite, quand tu voulais parler de ta morale, tu as dit for finish, non, for finishing. Lorsque tu as un for, tu mets tout le temps ing, for finishing. Two things you never do, go hunting when you're hungry and go to the supermarket. Donc, c'était pas mal, Aziz. Donc, lorsque vous avez faim, Aziz, il nous dit, n'allez pas chasser et n'allez pas au supermarché. Great, good job, Aziz. Rachida, c'était très bien aussi. Attention aux R, Rachida. Les R en anglais, c'est bien de les retenir, ne les fais pas rouler. Et greedy, allonge bien le I. Parfait. Attention, et stomach. Stomach, accent tonique sur la première syllabe. Hammer, s'il est avec nous ce soir, c'est très, très bien, Hammer. You're getting like an American accent, man. You just like, I think you're from Chicago or from New York. Hammer, franchement, le niveau très très haut, mashallah, ça fait quoi, 4, 5, 6 mois là que tu es avec nous, tu progresses très très bien. Fais juste attention, parfois tu vas dans l'accent anglais, moral. Moral, c'est plus anglophone, c'est plus british, pardon. American accent, c'est moral. Le MO. Vous voyez, le MO chez les anglophones, il est proche du O, pardon, le O des Anglais, des British, il est proche du O français. Parce que je crois qu'on n'est pas loin. Voilà, on est quoi, une heure en avion. Donc, c'est pour ça que le O, c'est un peu le même. Mais américain, ce n'est pas moral, c'est moral. 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 D'accord? Moral of the story. Moral. Le O devient une sorte de AE. D'accord? Moral of the story. Parfait? Vraiment un peu pour te taquiner, Hammer. Hesitation, tu me l'as prononcé comme un British, alors je voulais l'américain. Hesitation, parfait. Et kill, le i, il est court, Hammer. Fais attention. Et à un moment, tu as parlé de tes préférences. Prefer, tu as dit prefer, non, c'est prefer. Prefer, d'accord? Pour dire préférer, le e ici devient i, l'accent tonique sur le fer. Prefer, prefer, parfait. Nickel Hammer, good stuff. Maktar, très très bien. Je vois une nette progression, pareil. Attention aux R, ne pas les rouler. D'accord? Pardon, les R, c'est encore le R trop français. R, c'est plus un R. Fais attention à ça. Et le TH, ce n'est pas the. Hein. This, pas this. This one. Non, this. Parfait. Et sinon, c'était très bien. Maktar, et attention au mot deer. D'accord? Pour parler de la Bambi, là, de la reine. Un renne. Deer, ear, pas deer. Non, deer. Parfait. Sinon, c'est très bien, Khaled. Pardon, Maktar. Au plaisir. Parfait. Khaled, c'était parfait. Franchement, nette progression aussi de Khaled. Impressionnant, Khaled. Juste deux petites erreurs. Vanished, pas vanished. Et pareil, pour parler de buisson, Khaled, c'est pas bush, c'est pas un long ou, c'est un ou court. Bush, bush. D'accord? Ça, faut faire attention entre le ou court et le ou long. Déborah, si elle est avec nous ce soir, c'était parfait. Franchement, très, très bonne prononciation aussi. Juste le mot hesitation, bien forcé sur le T. D'accord? Et lion, pas lion, lion, Déborah. On voit bien le I, lion. Lion. Sinon, c'était très très bien. Fadela, very very good. Franchement, très très bonne prononciation, Fadela. Juste attention au mot hesitation. Vous l'avez tous prononcé avec l'accent british, c'était l'accent américain. Hesitation. Parfait. Et attention, Fadela, à feel, c'est un long i. Sinon, c'était très très bien. Raja, très très bien aussi. Searched, pas searched, searched, searched. Le CH. Les amis, lorsque vous avez un verbe qui finit par CH et vous avez le ED devient T. He searched. Searched. Pas searched. Parfait. Et rajoute une petite erreur. About.
About. L'accent tonique, il est sur le B-O-U-T, pas about. About, non, about. Parfait. Nickel, about. Et pareil, Raja, tu nous as parlé de satisfaction. Contentment. Contentment. Parfait. Et pour finir, avec Dounia, si elle a parmi nous, Dounia, c'était très très bien. Vraiment une nette progression très très rapide. Donc très très bien, continue ainsi. Feeling, Dounia, bien allonger le i. Hein. Feeling, feel. Donc cette erreur-là, i court, i long, faut bien la distinguer. C'est ça qui va vous donner vraiment une belle prononciation en langue anglaise. Et satisfaction, donc c'est très bien, vous avez parlé de la satisfaction. Une petite erreur, Dounia, behind, pas behind, behind. Donc ça, je l'avais noté dans les commentaires. Et sinon, le reste, c'était nickel. Parfait, parfait. Donc, je vous remercie tous d'avoir assisté au live. Have a good night. Et continuez ainsi. La semaine prochaine, je vais vous renvoyer à une autre histoire aussi inspirante. D'accord? Et puis voilà. Donc, thanks for your time. You are welcome, Nogaro. Welcome, Raja. Welcome, Ilyes. Welcome, Dunia. Ilyes, et ma correction. Bah, je t'ai corrigé, Ilyes. Ilyes, je t'ai dit, Ilyes. Je t'ai dit, tu avais fait une erreur stomach, greedy. OK? Stomach and greedy, long i. Parfait. Ici, Badr qui nous dit, mais dear ne se prononce pas comme speak. Non, exactement. Parce que qu'est-ce qui se passe ici, Badr? C'est que on a un long i, mais on a un r, d'accord? Et le r, ça va donner une sorte de ie. Parfait. Dear, dear, speak. Donc dans speak, on a un pur i, d'accord? Mais le problème de dear, il y a le r. D'accord? Ça fait ce sort de ie. Parfait. Et n'oubliez pas, les amis, quand je vous donne une règle, c'est dans le but de vous rapprocher le sens général. Une règle a toujours une, comment on dit déjà? Une règle a toujours une exception. Voilà. Une règle a toujours une exception. Parfait? Donc, quand on vous donne une règle, ça ne veut pas dire que c'est à 100%. C'est toujours à 80, 90%. Et les règles de prononciation, c'est là vraiment pour vous faciliter la prononciation et que vous pouvez les appliquer sur 80% des mots. C'est ça le but. Bou Nogaro, qui nous dit, voudrait participer. Envoie un mail à Anglais Révolution. Badr, il dit instead of. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que ici, instead of, ici, c'est une préposition. Mais pareil, il fait partie d'une exception. D'accord? C'est ici, instead of, c'est un adverbe, pardon. Parfait. Vive l'accent américain. Après, Badr, comme je t'ai expliqué, voilà, nous, on donne des règles et parfois, il y a des exceptions. Les règles sont là dans le but vraiment de te faciliter. Après, il y a des mots qui sortent, il y a des mots qui ne respectent pas, tu vois. Par exemple, le verbe pratiquer. Le verbe pratiquer, normalement, on devrait mettre l'accent tonique sur la deuxième syllabe, étant donné que c'est un verbe. Mais on dit to practice, on ne dit pas to practice, on dit to practice. Practice, l'accent tonique, ici, il est sur la première syllabe, c'est une exception. Parfait. Marie, vous m'avez envoyé la correction à 20h31 ou 20h30. Je n'ai pas pu la corriger, je suis désolé, Marie. Marie, ce que je ferai, c'est je l'écouterai et je vous la corrigerai en privé. Parfait? Vous m'avez vraiment envoyé à la dernière minute. Je pouvais pas. Le live commençait et je pouvais pas la corriger. Donc, je vous l'enverrai en privé. D'accord? Parfait. All right. Dear friends, thanks for your time. Have a good night and speak to you next week. All right? Bye bye. Je vous remercie, les amis. Passez une bonne soirée. Bye bye.